On va passer à la recette du taboulé de légumes croquants. Alors, j'ai récupéré ce matin, en petit tour de chambre froide, des brocolis, du romanesco et du chou un peu taché. Donc, ça va être un peu difficile de les utiliser en sommité pour faire des petites poêlées de légumes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour celui-ci, je vais le nettoyer en lavant les fleurs de chou dans une eau tiède. Important, une eau tiède. Pourquoi ? Parce que dans le chou, il y a très souvent des petits insectes. Donc, l'eau tiède les fait fuir et surtout les fait remonter à la surface. Donc, mon romanesco était un peu mou, malheureusement. Sur la caisse que j'avais, il en fallait un. Il est légèrement taché sur les pointes, donc ça, je ne peux pas le servir en l'état. Et toute la partie cœur, je vais la conserver pour une recette que j'aurai à faire un peu plus tard. J'ai calé ma râpe et je vais maintenant faire comme un taboulé de fleurs de chou. Et je conserve à chaque fois mes petites têtes qui me restent au niveau des trognons. Donc comme ils sont mous, il faut quand même faire très attention aux doigts. Donc l'idée, c'est de mélanger les différents choux dans le taillage pour qu'on puisse avoir une belle combinaison de couleurs. On va préparer la salade avec ce chou, la ciboulette ciselée que Rachel va nous préparer. Je vais verser mon petit râpé. Donc c'est assez joli parce qu'on a des petites couleurs un peu pastel. Je trouve ça assez sympa. Donc la ciboulette ciselée, assez finement. Donc ça va nous donner notre assaisonnement. C'est comme une petite pointe d'ail. Je vais rajouter un petit peu d'échalote ciselée. Pas beaucoup. On va ajouter une petite vinaigrette. Celle-ci est aux agrumes, mais ça peut fonctionner avec n'importe quelle petite vinaigrette. Je conseille aussi souvent d'utiliser un petit vinaigre de riz et puis une petite huile de sésame. Et là, on la fait un peu prétanière avec donc, une vinaigrette aux agrumes. On va y ajouter une pincée de sel. Et on va terminer avec des pignons de pain grillés. Donc là, c'est la petite note importante qu'il faut donner parce qu'on est quand même sur un ensemble de choux. Donc c'est assez fort quand même en termes de choux. Donc la vinaigrette d'agrumes vient assouplir le côté gazeux du chou. Et le petit pignon de pain grillé va apporter le croquant qu'on n'a plus parce que nos choux étaient un peu ramollis, quoi.